Bonjour les enfants. Donc aujourd'hui, une nouvelle leçon de lexique, ce titre, les familles de sens. Alors, on va commencer par lire ce petit texte. J'observe et je découvre. Plusieurs citoyens marocains, docteurs, infirmiers, pompiers et soldats, ont participé à l'action de solidarité envers les habitants d'Alhosima après le séisme. Ils ont apporté une aide efficace aux sinistrés, de la nourriture, des médicaments et des vêtements. Tricots en laine, manteaux et pantalons ont été distribués. Donc, voici le texte. Alors, on va commencer par relever tous les mots qui ont un lien par le sens avec le mot des vêtements. Donc, vous voyez bien, dans le texte, il y a le mot vêtement qui est en jaune. Donc, on va chercher dans le même texte les mots qui sont en lien par le sens avec ce mot. Donc, il y a tricot en laine, manteau et pantalon. Donc, ces trois mots, ce sont quoi? Ce sont des habits. Sous-entendez, ce sont des vêtements. Des vêtements. Donc, le mot vêtement regroupe ces trois mots. Tricot en laine, manteau, pantalon. Donc, encore une fois, le mot vêtement est un mot étiquette. Le mot vêtement est un mot étiquette. Les trois mots que je viens de citer, tricot en laine, manteau, pantalon, ce sont des mots en lien avec le mot vêtement par le sens. Pourquoi? Par le sens. Je me rappelle bien, vêtement est un mot étiquette. Un mot étiquette. Un mot étiquette. Alors, autre exemple, c'est le mot médicament. Médicament, quels sont les mots qu'on peut trouver et qui sont en lien par le sens avec le mot médicament? Donc, je peux citer quelques-uns. Par exemple, sérum, comprimé, pommade, suppositoire. Donc, les quatre mots, ce sont tous des médicaments. Donc, ils sont regroupés sous le mot étiquette, médicament. Donc, médicament est un mot étiquette. Médicament est un mot étiquette. On revient sur notre texte. Donc, et on va essayer de relever un autre mot étiquette sous lequel on peut regrouper les mots suivants. Viande, légumes, fruits et lait. Donc, quel est le mot qui peut regrouper ces quatre mots? Quel est le mot étiquette? Donc, comme on appelle tout ça, viande, légumes, fruits, lait, donc, c'est le mot nourriture. Et vous voyez bien, dans le texte ici, il y a le mot la nourriture. Donc, le mot nourriture, c'est le mot étiquette qui regroupe viande, légumes, fruits et lait. Maintenant, dans le même texte, on doit chercher des mots qui peuvent être regroupés sous le mot étiquette métier. Donc, on a le mot étiquette métier, on doit chercher dans le texte les mots qui peuvent être regroupés
sous ce mot éthique? Donc, voilà, la réponse est, il y a les quatre mots, bien les mots suivants. Docteur, c'est un métier. Infirmier, pompier et soldat. Voilà. Donc on a trouvé les quatre mots qui peuvent être regroupés sous le mot étiquette métier. Donc, étape suivante. Donc, sur votre livre, page 150, vous trouvez la rubrique Je retiens. Donc, je lis d'abord la rubrique. Les mots tricot, manteau et pantalon sont liés par le sens. Ils forment une famille de sens. On peut les regrouper sous le mot étiquette vêtements. On peut les regrouper sous le mot étiquette vêtements. Donc, vous allez écrire la rubrique Je retiens sur votre cahier de français. Puis, vous allez faire les exercices 4, 5, 6 et 7 sur la page 151 de votre manuel de français Mes apprentissages en français. Merci à vous. À bientôt.